T'en es où? Parce que je sais que t'étais sur un bail de mec. Ah oui, Guy, elle était sur Guy Savoie. Ouais. Ah ouais? Bah, et comme j'ai dit, Guy Savoie, si nous regarde ce petit vénard, c'est un cuisinier, il doit être en train de faire un osso buco, un truc en kiff, il nous regarde, Guy, on t'embrasse, on l'adore. Et là, il dit, frère, bam, ça m'est tombé dessus, l'amour, bim, tac. Là, il est en riz béchamel. Il te voit, il est comme un ouf. Pour l'instant, il ne bouge pas une oreille. Hein. Quoi, il t'a pas contacté? Non, rien. Le restaurant non plus, t'as pas appelé? Non. Personne t'a appelé, même la police? Commissaire Choucard, on vous appelle au sujet d'un Guy Savoie. Non, mais sans... alors, non, personne t'a appelé. Bah non, non, non. Personne. Pourtant, il y a eu pas mal de reprises dans la presse et tout. Bah, je sais qu'il y a eu des reprises. Ouais. Mais pas toi, t'as été ni prise ni reprise. Rien, zéro. Alors, vous qui êtes de bons conseils, est-ce que vous me conseillez. Alors, déjà, la phrase des marmales, vous qui êtes de bons conseils. Si, j'en ai envoyé des gens dans le mur. Hein. Est-ce que vous me conseillez de réserver pour le restaurant le soir de mon anniversaire, comme je vous disais? C'est quand ton anniversaire? Le 2 novembre. Le 2 novembre? Je disais que je lui ferais peut-être un peu de peine, mais alors on me dit que de faire la peine aux gens, c'est pas bon. Pourquoi faire de la peine? Bah parce que si je suis toute seule à table... Ah non, pas toute seule. Non, les mecs... Ah non, pas toute seule. Les mecs détestent les meufs qui font de la peine. Bon, ah, d'accord. Ouais, alors, je viens avec un beau mec, ça va pas non plus. Ah, j'irai, moi, je... Elle va encore plus se faire de la peine si elle est avec vous. Elle est avec une copine. Tu vas avec Kelly. Ouais, elle est avec Kelly. Elle est avec Kelly. Allez, nous voir. Moi, je vais avec toi. Avec Kelly. Vas-y. Non, mais il va voir Kelly. Pas du tout. C'est pas sa clientèle. Pas du tout. Pas du tout. Moi, tu viens à la maison avec Kelly, je regarde que toi. C'est faux, c'est vrai. Regardez, ça rigole. C'est vrai. C'est pas la meilleure idée. Je regarde que toi. Bah pour t'inviter à partir. Avec des gros yeux. Je te regarde avec attention. Ah, C'est trop. On fait un dîner de filles avec Valérie, Kelly, moi et Daniel. Ah, ouais, très bien. Ouais, mais non. Il faut qu'elle aille, elle, avec des cums. À mon avis, il faut qu'elle aille avec moi. Ah, Raymond. Ah, bah oui, j'osais même pas l'espérer. Moi, Raymond. Je pense qu'il faut qu'elle aille à la fermeture du restaurant à 1h30 du matin. Comment on va faire le ménage? Mais non, pas du tout. Elle attend qu'il sorte, il est pressé. Mais non, mais vous êtes pour quoi? Il sort de 36 osso buco, 18 béchamel. Il va voir la meuf, il va dire c'est bon, les gars. Il va dire c'est une psychopathe, on dirait Gilles Verdez à ce moment-là. Il n'y a que Gilles pour faire des trucs comme ça. Gilles vous adore, donc s'il vous plaît. Non, Daniel. La stratégie, elle est très simple. Ton anniversaire, c'est le 2 novembre, je vais venir avec toi là-bas. Ouais. Ah, bien. Là, ça fait que tout de suite, ça fait. Je vais venir avec toi là-bas. On va y aller, on va manger tous les deux. Il sait que vous n'avez pas de zizi, donc il est tranquille. Il mélange tout. Hein. C'est ça son problème, c'est qu'elle mélange tout. Ça, ton problème. Non, arrivé, on va prendre une entrée. Ouais. Un plat. Au moment du dessert, je vais de galoche. Pour le rendre jaloux. Je vais de galoche. Ouais, ça j'aime bien jusque-là. Je vais de galoche. Ouais. D'accord? Je vais arriver quand je te galoche. Là, il va arriver. Enfin, ouais, c'est ma meuf. Non, mais là, c'est la soirée de rêve. T'imagines ou pas? Ouais, je l'avais vu en premier, etc. Là. Tu vois ou pas? Vous voulez pas faire une réponse? Je lui dis, écoute-moi bien. Je lui dis, moi, écoute-moi bien. Tu m'offres le restaurant, je te la donne. J'ai galoche. Et en plus, j'ai trouvé un mec à Daniel Moore. Oh, carte bleue, franchement. Non, mais... Bam, bam, bam. Prenez votre carte bleue quand même. Hein. C'est cinquième fois qu'il la sort. C'est ça. Alors, je vais vous dire, c'est ça ton problème. Quand tu viens trop souvent, tu déclines. Ça fait 3 fois. C'est comme ton zizi. Non, mais je te dis, c'est pareil. Ah, c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. T'as l'image de ton zizi. Donc, tu sois à sortir un peu, ouais. Va faire un tour, va te recoiffer derrière parce qu'on dirait que t'es. Ah, je me suis coiffé tout seul. Ah oui, bah ça se voit. Faire des économies. Non, mais frère, derrière, on dirait que t'as un bail ici, là. Ou faire des économies. Non, mais fais faire des économies à personne. Allez, va te coiffer, trouver quelqu'un. Voilà, n'importe qui, même pas un coiffeur. Hein, quelqu'un qui te. Voilà. Quelqu'un. Bah oui, c'est vrai. Oui, bien, moi. Je suis payé. Et profite-en pour changer de slip. Je suis payé. Allez, merci. Allez, c'est bon. Dis-moi 2 heures pour sortir. C'est mon slip qui colle. C'est con, c'est là, c'est bien.
cette émission. Je la sens très bien. Je la sens très bien, cette émission. Je vous le dis. Incroyable. Bon, t'as compris, le 2 novembre. Ah là, mais là, la soirée de rêve, c'est sûr. Hein, vous... Non, mais c'est sûr. Et ça la galoche, c'est sûr, tout le reste. Alors, regarde les yeux. La galoche, je me suis peut-être un peu trop avancé. Vous ne l'aviez pas fait le 8 mars. Ouais. Ah, le 8 mars. Le novembre, c'est une bonne date. Non, non, mais c'est bon, on va pas se galoche tous les 6 mois. C'est bon, ça suffit maintenant. OK. C'est loin. C'est bon. Tu vas y aller avec quelqu'un. Ah non, c'est loin. J'ai ignoré quelqu'un. Quoi, c'est loin. C'est plus loin. Vous, du coup. Alors le 2 novembre, il aura trouvé une autre meuf. Hein, ah bah ouais. Là, on n'est même pas. Tout octobre a passé. Non. Ce week-end. Faut que tu ailles. Il faut qu'on y aille demain. Bah oui, il faut travailler fort là. Sur ma vie, demain on y va. Voilà. Demain on y va. Pas de place. Comment il n'y a pas de place. Excusez-moi. On refuse. On refuse. Tu veux que je rachète le resto tout de suite? C'est trois coups de fil, hein. Tu vas voir s'il n'y a pas de place. Non mais oh, ouais, il n'y a pas de place, elle m'a dit. C'est le meilleur resto du monde. Non mais elle m'a dit il n'y a pas de place. À moi, elle m'a dit il n'y a pas de place. Je vais appeler le restaurant, ils vont me dire il n'y a pas de place. C'est au déjeuner ou au dîner? On va aller au dîner. Après l'émission. Elle dort à la maison. Chaudron, il sera tenu. Bon, c'est bon, ça c'est réglé.